Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. L'éléphant volant. Un conte Bill. Un cultivateur de canne à sucre vivait dans un petit village. Il travaillait très dur dans ses champs et espérait obtenir une grosse récolte. Un matin, il vit qu'une grande partie de son champ avait disparu. Et le lendemain, encore un autre gros morceau. Je vais rester éveillé cette nuit et voir qui mange ma canne à sucre, se dit le fermier. Cette nuit-là, il attendit à la fenêtre, observant ses champs. Quand la lune se leva, il vit une toute petite tache grandir dans le ciel. C'était un éléphant qui volait tout droit vers son champ. Le fermier le vit avec stupéfaction voler du haut du ciel et commencer à manger sa canne à sucre. Il sortit sur la pointe des pieds et attendit que l'éléphant ait fini de manger. Alors que l'éléphant commençait à s'envoler, le fermier empoigna sa queue afin d'attraper l'éléphant. Bientôt, le fermier lui-même volait au-dessus de ses champs jusqu'au royaume d'Indra au paradis. Le paradis était rempli d'oiseaux et de fleurs magnifiques. Le sol était recouvert d'une herbe achantée et de pierres précieuses. Le fermier trouva bientôt le palais royal et fut reçu par Indra. « Votre éléphant est descendu du ciel en volant et il a dévoré toute ma canne à sucre. Ma récolte est ruinée, » dit le fermier. « Je suis vraiment désolé. Je vous prie de prendre tout ce que vous voulez de mon royaume. Je veillerai à ce qu'il ne descende plus pour abîmer vos cultures, » dit Indra. Et il bénit l'homme pour qu'il retourne sain et sauf chez lui. Le fermier prit deux poignées de joyaux et rentra chez lui. Il se construisit une nouvelle maison et devint très riche. Bientôt, tout le village se demanda comment il était soudain devenu aussi riche. Un jour, quelques villageois rendirent visite à l'épouse du fermier. « Où avez-vous trouvé tout cet argent? Avez-vous découvert un trésor enterré dans vos champs? » L'épouse du fermier leur raconta ce qui s'était passé. Ce soir-là, les villageois décidèrent d'attirer l'éléphant eux-mêmes. Quand nous serons au paradis, nous prendrons plus que deux poignées de joyaux, dirent-ils. Ils plantèrent un champ de canne à sucre et, comme prévu, une nuit, l'éléphant arriva en volant. Un villageois saisit sa queue et bientôt, toute une chaîne de villageois volait derrière l'éléphant. Tout en volant, ils se mirent à discuter de ce qu'ils allaient rapporter. «
Finalement vint le tour du villageois qui tenait la queue de l'éléphant. « Je vais rapporter des joyaux comme ça !» s'exclama-t-il tout excité. Il étendit largement ses bras et lâcha la queue de l'éléphant. Tous les villageois tombèrent alors en tas sur le sol. Ils virent tristement l'éléphant s'éloigner dans le ciel. « Ne vous en faites pas, l'éléphant reviendra demain !» dirent les villageois. Mais Indra, apprenant la ruse des villageois, demanda qu'un champ de canne à sucre soit planté au paradis. Ainsi, l'éléphant n'eut plus jamais besoin de descendre sur la terre. Les villageois attendirent, passant bien des nuits à observer le ciel. Mais l'éléphant ne revint plus jamais. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.